J'avoue, il a le skin miel Malzahar. Ça doit forcément être tiltant de jouer contre ça en fait. On a un très bon 3v3 topside. J'espère vraiment qu'on gagne celle-là, on serait trop bien dans le BO. Sauf que son tas a une bonne MMR, donc j'espère qu'on va wins. Non, il a bug. Mais il a bug, puis pourquoi il s'arrête? Mais ça c'est juste, enfin, je ne sais pas comment c'est codé. Parfois, le Vrace arrête de bouger. Genre, une fois sur 20, il fait ça. C'est grave. J'ai du smite, ça me ruine pas totalement ma game, mais c'est un peu sad. C'est même très très sad, hein, mais bon. J'espère vraiment que le EK va pas prendre de kill en early. Ok, ah, c'est vrai qu'on a les pigeons de hache. Ok, il fait bot to top. Ce smite perdu peut vraiment nous baiser. Hein. Oh putain, ma box a pas tanké en plus. Le problème, c'est que t'es vraiment low HP, frérot. Je vais prendre la plante, de toute façon ça va fight là. XD1, hein. Karim. Ah, il est vraiment fort. Hein. Le problème c'est qu'ils ont pris au mid. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Il a pas de smite hein, le EK. Ah, c'est vraiment cringe, Karim. Enfin, je sais pas quoi dire en fait. Putain, j'ai ignite le BK, j'ai troll. Ok, ça va. Ah, quoi qu'elle serait morte en vrai, j'ai troll. Non, mais. Oh là là. Mais putain, mais il dash out à chaque fois. Non, mais là, ça me pète les couilles, genre vraiment. Genre le crabe m'a tilt là. Ah, il est mort. Ok, il y a Wukong. Il a pas Ignite. Il a pas de Ghost. Il a int la game. Le Karim vient de redown la game. No troll. Mais il perd son respawn de Vrace. En plus, le Karim, il a l'air fort en plus. Hein. À mon avis, c'est parce qu'il doit être fort. Ça doit pas être son champ. Je vais jouer potion l'early vu que je suis vraiment bien, que j'ai rien à bail. Je la fais rarement ces derniers temps, mais là, je pense que c'est fine. Le Karim est sur ses golems ou peut-être bot en vrai. Faut que la hache mette son oiseau là. Nice. Ok, il était sur ses golems. Mais le Alistar vient de faire quoi là? Ce que vient de faire Alistar, c'est très grave! En vrai, c'est illégal! T'imagines, on perd le trade à cause de ça? Ah, je suis loin, il est tellement tanky! Je suis pas vu là normalement. Non, non, il a encore raté. J'en reviens pas, je ne peux pas y croire. Peut-être qu'il a fait exprès. Ok, il a peut-être fait exprès pour aller de l'autre côté. Non, il a fait exprès, c'est sûr, non? Ok, nice. Faut que la team joue safe, là j'ai tous mes camps de up. Ok. Care, I farm, Corki package s'il vous plaît. Là c'est le timing où il ne faut pas int. Okay, c'est fine qu'elle fasse mes golems en vrai. Le temps qu'ils reçoivent la wave. Et Karim va être topside, prochaine phase de jeu. Oh non, il m'a repéré. Encore 30 secondes sur le package. Oh non, non, ne vous faites pas bait au bottom. Ne craquez pas. Ok, plus de package. Et Karim qui base, j'arrive topside. Il a pas d'ulti le mort de Kaiser. Je l'ai bait, j'ai fait des sidestep avec mon clone. Ok, go là-dessus. Il nous faut un bird là, ici. Putain, je suis à 1 d'XP du level up, ça c'est très unlucky. Ok, Sasuke et Odrek avec son champion broken. C'est grave, il est devant moi en CS cette game. Enfin, c'est triste. Wook, get some RM
Enyu, 1v9, non. En vrai, il y a mort de Kaiser Corki, il faut qu'il fasse de la RM, hein. Il va juste 1v9 la game. Oh, il s'est fait outplay le mort, what the fuck? What the fuck? Mais en vrai, le Malzahar est low-key 1v9 cette game. Mais cher au Corki, prends pas la Bertha. Faut pas que tu donnes ton shutdown, c'est un Karim, frérot. Je suis pas loin de ma sanguine. High farm item. GG. Corki, il est un peu baisé là, il peut pas se régène. Faut qu'il fasse de la RM, hein. Je sais pas pourquoi il a une close armor, le Wukong se fout de notre gueule. Ils sont full AP en face. Là, c'est un timing très compliqué. J'ai envie d'avoir mon item. Si on fight, bah on est assez faible. J'ai 2000 gold sur moi. Vous vous rendez compte de ce que c'est Karim ou pas? Le mec, c'est le pire jungler que j'ai face sur mes 30 dernières games. Il a run down 3 fois en 0-3-0 et il va sans doute solo win la game. C'est... Vous vous rendez compte? Enfin, c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Regardez ses items. Il a des tabis et des morceaux d'items. Il a legit run down la game. 0-3-0. Genre, les erreurs qu'il a fait, normalement, ils doivent open en face. Alors, sans exagérer. Et là, il va peut-être solo win la partie avec ce qu'il a fait. Bah, je pense que le champ est balance en vrai. Et dites-vous que le champ vient de se faire nerf en plus. Bon. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi. Ah, je fais mon raid au lieu de prendre la wave mid. C'est dur, hein. Là, je run down là. J'ai ban quoi cette game? J'ai dû ban Lilia. J'ai pas les mots pour Ekarim. Genre, j'en reviens pas. Ah oui, j'ai ban TF. On peut même pas engage hein, contre le Ekarim, genre c'est... Karim, by the way. Vous vous rendez compte ce qu'il a fait dans le fight? Là, il peut réengager au Shen Tank. Je l'ignite pour l'anti-heal. Ça fait mal au cœur vraiment. Je l'ai slow. Il nous faut le Drake. Il peut me E. Ah, il est fort, hein. Franchement, le Ekarim est vraiment fort. Bon, enfin, il était en 0-3-0, c'est légiat, enfin bref. Genre, c'est la pire performance que j'ai vue en jungle cette dernière semaine. La pire, son top int, son mid int, et la game est injouable. Juste à cause de son champion, et du Shen Tank. Let's go. Je sais pas ce qu'on peut faire, en vrai. Je ne vois pas ce qu'on peut faire. Il y a le Corki qui back, on a Star Drake, hein. On va devoir faire des choix risqués dans la game. Ekarim est open. Ok... J'ai aucun build pour le contrer, genre... Il se heal sur moi plus que je ne lui mets de dégâts, le Ekarim. Alors qu'il n'a pas de Conqueror et qu'il est full tank, genre. C'est... Le pire, c'est que c'est même pas une blague. 1000 gold sur Kai'Sa, let's go. Après, le problème, c'est que le Wukong, il est en 6-0, mais... Faut vraiment qu'il bouge sur la map pour qu'on utilise son lead. En vrai, je suis vraiment stupéfait, tu vois. Avec ce que le Ekarim a fait en early, normalement, dans une game à OLO, c'est open 15 minutes. Genre, sans exagérer. Et là, il est 1v9 dans la game, 100% de KP. Genre, c'est fou. En vrai, c'est fou, genre, vraiment. On peut pas go sur lui, il a un ulti. Bon, bah, il a ulti, mon clone. Le pire, c'est que vraiment, cette game, genre, c'est jungle diff, mid diff, sub diff, top diff. Mais Ekarim est open. Après, notre H troll la game, hein, ça aide vraiment pas. Mais... Je sais pas quel build faire.
Il me faut du burst pour one shot Kaisa. Après le corps qui va faire Shilbo, ça va être dur. Je peux faire une fang. Ouais, je vais pas faire une fang juste pour un Shilbo. Faut pas fight, hein. Je vais juste back pour mon item. Je pense qu'on peut one shot le Nash. Hein. Faut qu'on accélère dans la game en fait. Je pense qu'on se fait outscale. Après, on a toujours Malzahr. Mais faut vraiment qu'on joue pour Malzahr. Ils ont full tabi. On a enlevé les deux pinks. Il lui reste une ward à Soraka. Fuck. Cette épée. C'est aussi le meilleur champ du jeu pour voler les Nash. Héhé. Ça, non. C'est un coin flip, il a un niveau de plus que moi. J'ai vraiment envie de jump, hein, no troll. Genre j'ai vraiment envie de jump. Hein. Je suis obligé de stack létalité, je vais juste essayer de one tap Kaisa et Corki à tous les fights. Je sais pas si vous vous rendez compte du gap de niveau de jeu qu'il y a entre Wukong, Malz et Alistar. Hein. Que la game soit aussi dure. Ouais. Parce que là il y a 20-11 dans le score, mais c'est vraiment pas représentatif. Putain c'est ça, on va peut-être perdre la game là à cause du Nash, ça casse les couilles en vrai. On peut essayer d'avoir l'âme, ça peut nous aider cette game. On en est loin. On en est très loin. T'aurais pu arrow avant H quand même. Oh mais qui voilà. Elle s'est pas écartée, il a plus l'ulti. Ok, elle gagne. La box. On a vraiment perdu ce fight, c'est chaud. Mon Herald est bientôt out. On peut rien en faire du Herald malheureusement. Il y a une wave à catch ici. Ça me fait mal au cœur en vrai. Tout le monde est nettement meilleur dans la team, mais juste à cause d'un champion, on va peut-être tous perdre la game. Genre, c'est très très dur à accepter en vrai. Très très dur. C'est une game qui va durer un moment. Faut qu'on ait la soul. Je bats les deux en side. C'est bien que je chope des ressources. Avec beaucoup d'items, je peux faire des choses mine de rien contre leur team. Okay, on peut avancer bot side. Ah, il y a encore un paquet. Je peux rien faire. Les gars, ça me fait vraiment mais mal au cœur. Genre, ça me fait tellement mal au cœur. Genre, je vais perdre mon BO là-dessus, quoi. Juste parce qu'un champion est open. C'est ouf. Genre, c'est ouf. On est tous, mais amplement meilleurs que notre vis-à-vis. Genre, les mecs run down en face, ils peuvent pas perdre à cause du EK. C'est incroyable, genre. Je sais pas ce qu'on peut faire en vrai. En théorie, rien, tu vois. Genre, c'est comme ça. Genre, ça me termine. Ça me termine que toute notre team a loué cette game, genre. Faudrait qu'on les catch à 5. Faut qu'on ait le prochain match. En fait, on n'a pas de clean fight où on est à 5 et où je peux engager Kaisa ou Soraka. Faut que la team vienne, hein. Je suis bien positionné là. Ok, c'est maintenant. Ah, c'est dommage. Oh, on est censé win le fight, y'a pas mort, le Ekarim m'a ulti, la Soraka flash out. La team a pas pu follow up direct. Nice, c'est bon, ils ont clean up. Les gars, finissez cette game, je vous en supplie, je ne fais plus jamais une game d'Ekarim. Je vous en supplie, finissez cette game. S'il vous plaît, genre, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Si on perd tous les 5, je jump. Je refuse que mes teammates perdent cette game et que je perde cette game. Les tourelles. Mais tape les tourelles, tu joues H. Mais non, en fait. Attends, s'ils finissent pas. Oh, c'est bon, le Wukong va finir. Les gars, cette game, franchement, m'a rendu triste. Genre, vraiment, c'est triste. C'est triste. Je... Après, ça fait 50 games que Ekarim est ban. Les gars, c'est triste en vrai. Mais de rien.